laisse devant chez ma mère. Il t'accompagne, il monte pas. On a dit rencard idéal. Ah, ok, bon, ok, bon, ok. Je te remercie en tout cas, un bisou sur le front. Ok. Salut à tous, ici Tsukwezi, les membres de la folie, bande de Nyamanguru. Alors aujourd'hui, voyez-vous, on est avec Antoise. Alors Antoise, c'est quoi les vidéos que tu fais sur ta chaîne? Quel genre de vidéos? Des vidéos 24 heures avec ma grand-mère, un petit peu de tout. Un petit peu de tout? Ouais. D'accord, ok. Donc allez vous abonner, c'est très important. Et aujourd'hui, tout simplement, on va demander aux filles, c'est quoi le rencard idéal avec un homme? C'est parti. Salut, tu vas bien? Salut, oui. T'as une belle coupe, hein? Merci. Là, on sent dans Dragon Ball Z, la Majin Buu, là. Je connais pas. Ah, tu connais pas? Merde, ok, bon. Salut, comment ça va? Ça va, fatigué. Alors, pareil. Salut, comment ça va, Sista? Ça va et toi? T'as de belles lunettes, hein? Merci. T'as du fashion, là? Ah oui, congolaise. C'est bien. Donc, je voulais savoir, tu préfères les hommes ou les femmes? C'est-à-dire? Au niveau sentimental. Les hommes. Tu es attiré par les hommes ou les filles? Les hommes. Tu es attiré par les hommes ou les filles? Les deux. Ah, les deux, donc tu es bi? Oui. C'est bien, tu es ouverte, moi j'aime bien ça. Alors, c'est quoi pour toi, du coup, le rencard idéal, du coup, bah déjà avec un homme, alors? Le rencard idéal? Ouais, genre l'endroit, comment tu veux que les choses se présentent? Bah ça dépend s'il fait beau dans un... Bah déjà dehors. Dehors, enfin, ouais déjà. On se rejoint dehors. Ouais, dehors, ouais. Le mec bien sapé, petite fleur, tout ça. Attends, pour toi c'est quoi un mec bien sapé? Bien sapé, propre. Même comme toi. Comme ça c'est propre là? Ouais, propre. Ok, d'accord. Place, quand même. Ok. Par contre, pas lavé depuis 5 jours les chaussettes, hein. C'est quand même propre quand même? Mais ça on les voit pas. Je rigole. Ok, d'accord. D'accord, ok. Et des fleurs aussi? Ouais, des fleurs, j'adore. Des fleurs et après il faut qu'il me prépare un programme. Genre un programme assez chargé ou genre léger? Ça dépend, si je suis bien avec lui, chargé. Mais chargé si carrément. Toi j'ai quand même, dès le premier rencard tu veux te lancer direct. Hein. Bah oui, j'attends de voir ce qu'il a à me proposer, ce qu'il vaut carrément, ok. Quel serait ton rencard idéal? Comment tu voudrais que ça se passe? Où ça? Quelque chose d'assez simple, restaurant ou... Tu voudrais qu'il habite au restaurant? De préférence, lui, oui. Seulement au restaurant? Non, pas forcément. Quelque chose de chill, une balade, où on peut discuter, quoi. D'accord. Pas un truc extravagant. Comment ça, extravagant? Dans quel sens? Rester naturel. D'accord, ok. Mais genre, est-ce que t'as un lieu particulier, par exemple, ou un truc? Non, pas spécialement. Donc ça peut être genre dans un café, dans un parc, dans une cave? Non, pas... Non, pas... Ok, ça marche. Donc, ouais, donc tranquille, quoi. Genre, ouais. Faut que le mec il soit genre pas timide mais en mode normal quoi. Ouais, pas trop collant non plus. Ah, pas collant aussi? Ouais, ok, mais imagine que t'as un coup de foudre avec le gars, il peut être collant ou pas? Ouais, mais il y a une limite. Il y a une limite, ok. Y a une limite. Ou une fille. Bah, du coup, les deux, ouais, du coup, dans ce cas-là. Sur la place de la Concorde, j'aime bien. Ah, la Concorde carrément? Ouais, aux Tuileries. Mais juste se balader dans les Tuileries. Ah, se balader! Ah, je crois que c'est un petit restaurant, ah, compagnie. Non, pas du tout. Non, juste se balader. Donc, si un homme te fait déjà juste un peu balader, c'est bon? Ouais, voilà. Ok, donc une fille à moitié aux Tuileries dans son lit? Non. Quand même pas. Ok, bon, en tout cas, je te remercie. Hein. Rencard. Premier rencard idéal. Ouais. Avec un homme. Avec, bien sûr. je suis hétéro. Hein. Ah, d'accord. Mais vous voulez dire, c'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré ou c'est quelqu'un que je autre, connais pas? Mais comment tu voudrais que ça se passe, par exemple? Je voudrais que ça soit... Tout d'abord, j'aimerais bien que la personne s'intéresse à moi. Ouais. Et après, Et où ça, par exemple? Où ça? Cinéma, restaurant? Tout dépend. Je suis plutôt une personne très spontanée. D'accord. J'aime pas que ça soit organisé à l'avance. Donc si, par exemple... tout d'abord, je veux que le mec... T'invite? M'invite. Non. Ouais. C'est à lui de choisir où aller. D'accord. C'est pas à moi. C'est lui qui prend les initiatives. Carrément. D'accord. Sinon, c'est pas moi qui porte les pantalons. Hein. Je vois. Vous voyez, donc... we say in English, it's not me who wears the pants. Yes. Donc, je voudrais bien qu'il m'invite. Et si c'est ça part... c'est un endroit bien, ou un resto, cinéma... Peu importe. Tout dépend la journée, tout dépend le climat, tout dépend, voilà. Après, si ça se passe bien, si c'est une personne de très bonne personnalité, si c'est une personne de... Faut qu'il soit de drôle caractère, quand même, qu'il te fasse rire. Oui, ouais. Carrément, si c'est une personne de mon caractère, vous voyez, hein, une personne avec des principes, une personne avec des valeurs, et si ça se passe bien, c'est un rencard réussi. D'accord. Ok. Et toi? Moi, les femmes. T'as un peu hésité, hein? Je rigole, ouais. Le programme? Bah franchement, je sais pas, au restaurant. Un restaurant direct? Ouais, un restaurant.
un restaurant comment? Français, pas, pas, italien? Pas trop trop chic, parce qu'il faut pas commencer déjà archi chaud. Un petit grec quoi. Mais... Non, pas un petit grec. Hey, quand même. Mais un petit resto normal, genre Hippopotamus, tu vois, les Hippopotamus, ouais. Voilà. Hippopotamus, ouais. Ouais, voilà. Ok, et ensuite. Et après, après le mieux, c'est s'il offre une rose. Ah, une rose, c'est obligé? Ouais, c'est obligé. Ah, ouais. Genre les roses, 1€ chez les. Ouais, même ça, c'est pas grave. Ok. C'est l'attention qui compte. Ok. Et toi, du coup, le rencard idéal avec une meuf, du coup, dis-nous un petit peu. Je vais comme ça. Ah ouais, c'est chaud là. Ouais, dis-nous un petit peu le rencard idéal. Il a la pression. Ouais, en plus t'as le temps de réfléchir toi. Déjà, franchement, je dois l'amener au restaurant déjà. Au restaurant. Donc pareil, comme elle, pas trop chic. Non, parce que les restaurants c'est mieux. Non, un restaurant chic quand même. Ah, toi t'es bien toi. Le premier rendez-vous c'est un restaurant chic. Ah. Après le reste c'est grec. Ah, ok, d'accord. Au début au moins. Parce que tu vois, tu dois un peu cacher, tu vois. Ouais, j'avoue. Premier rencard. Comment tu voudrais que ça se passe? Aller boire un verre dans un bar. Et tu voudrais que le garçon fasse quoi, par exemple, qu'il t'invite? Pas forcément. Pas forcément. Donc vous iriez ensemble dans un bar, comme tu m'as dit, c'est ça? Ouais. D'accord. Et sinon, t'as d'autres préférences? Par exemple, le rencard idéal que tu voudrais? Non, faut commencer par aller boire un verre. Commencer par aller boire un verre? Ouais. D'accord. Et après, on verra. Bah franchement, ça dépend. Hein. Ça peut, on peut même se poser aux Tuileries, chill, poser. Ouais, par exemple. Et pourquoi les Tuileries, forcément, les Tuileries? Parce que c'est un beau jardin, tu trouves pas? Parce que tu sais qu'aux Tuileries, à minuit, dans les buissons, dans les hauts buissons, il ouais, y a des hommes qui font l'amour dans les buissons. Ah ouais? Ouais, parce que moi, je n'ai vu... je n'ai vu, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, on était en soirée, tu vois, avec des gens, et on a voulu un peu fouiller ce qu'il y avait dans les buissons, et puis on a trouvé des... On a vu des choses. Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'en plus ça pisse la nuit partout. Oui, oui, bah oui. Mais non, mais bon, peut-être avant minuit. Après, okay. Pour continuer la soirée, je sais pas. Franchement, on peut toujours aussi se poser chez lui. Ah, chez lui, carrément. Soirée Netflix. Ah, Netflix and chill. Chill. Ouais. Non, moi, je suis dans la chill. Bon, on va bien chiller, hein. Ouais, ok. Comment tu voudrais que ça se passe? Ok, je voudrais que ce soit simple, genre pas un resto. Je voudrais qu'ils me mettent à l'aise. Tu voudrais que ce soit original, un petit peu? Original. Parce qu'un resto, c'est classique et oui. T'as dit pas un resto? Ouais. D'accord. Ok, un truc original ou alors et un truc qu'ils mettent à l'aise. D'accord. Genre, et tu voudrais qu'il soit drôle, par exemple? Bah oui, je vais pas me faire chier. D'accord. Et je veux qu'il soit honnête, simple et intelligent. Ok, d'accord. Bah merci beaucoup de la réponse. Et comment ça va? Ça va, fatigué. Alors pareil, je voulais savoir, tu préfères les hommes ou les femmes? Moi je préfère les hommes. D'accord. Et donc quel serait ton rendez-vous idéal, ton premier rendez-vous? J'aimerais bien que ce soit dans un lieu assez original. Comme quoi par exemple? Je sais pas, un lieu culturel qui d'accord. Serait vide rien que pour moi. Rien que pour toi et le garçon? Exactement. D'accord. Et donc tu voudrais qu'il fasse quoi le garçon par exemple? Qu'il t'invite? Bah qu'il m'invite, qu'il organise tout et qu'il prenne le devant. D'accord, ok. Donc qu'il prenne des initiatives. C'est ça. Ok. Le lieu, le programme, si tu je sais pas, j'ai pas tellement de lieux du moment qu'il me fait rire et... Ah du moment qu'il fait rire? Ouais. Donc si vous allez dans une cave et il te fait rire, c'est bon? Ouais, de ouf. Ah ok. Atypique, atypique. Bon bah on va très bien s'entendre toi et moi, hein. C'est très bien, hein. Ok. J'en ai pas mais... En tout cas le dernier que j'ai eu, oui. C'était au cinéma et en vrai c'est... Bah c'est bien parce que tu te parles pas mais tu sens qu'il y a une attirance ou pas, direct du coup. Ouais mais pourtant je trouve que quand le cinéma, dès le premier rendez-vous, on ouais, peut pas mais te connaître. Ouais mais après tu fais autre chose, ah ouais c'est vrai. Vous avez bu avant, genre un petit verre au cinéma ou vous avez... Ouais je sais pas, ouais. Okay. En vrai après tu vas au ciné, non mais je sais pas, ça m'est jamais vraiment arrivé, c'est quand même relou. Okay. Mais parce que je connaissais tout le temps la personne avant, du ah, coup ah ok, donc c'était un pote, ouais, ok. Mais c'est quoi le film? C'est quoi le film? C'était vraiment, en plus c'était vraiment un truc nul à chier, c'était les Gardiens de la Galaxie. Mais... c'est nul à chier. Mais du coup, je me toi souviens... ça va du tout hein. En vrai je me souviens pas ce qui s'est passé du coup mais... Ah ok ok. Le rencard. Premier rendez-vous. Oh, je sais pas, un dîner romantique. Un dîner au restaurant? Ouais, dans un bon resto. D'accord. Et donc, tu voudrais qu'il t'invite et qu'il prenne des initiatives, c'est ça? Ouais, clairement. Qu'il prévoit tout un petit peu? Ouais. D'accord. Et t'as d'autres suggestions, par exemple? Pour un rendez-vous parfait? Ouais. Non, juste que dans tout le rendez-vous, tout ce qu'il dit, il le fasse. D'accord. Ok. Ou idéal, le premier rencard? Une petite bière dans Paris, tranquillement, on discute le soir. Donc une petite sortie au bar? C'est ça, exactement. D'accord. Pas plus romantique que ça. Pas d'autres suggestions? Non, rien d'autre, un truc simple. D'accord. Genre le lieu, le programme, un petit peu, dis-nous un peu. Déjà, un rencard pas idéal, déjà, serait genre cinéma, des trucs comme ça, parce que tu peux pas parler. Voilà, c'est nul ça, j'avoue. Tu peux pas parler. Pas de cinéma, ok.
je sais pas, une journée de chill, s'il fait beau, tu te poses dans un parc. Dans un parc, normal. Tu prends un truc à manger, vous posez, je prends un truc comme ça. Donc toi, c'est vraiment dehors. S'il fait beau, ouais. Et quand il pleut, tu fais comment alors? Ben, tu veux aller où? Café, c'est pas mal. Ouais. Juste un truc où on puisse parler tranquillement en fait. Parler au calme quoi, ok. Okay. Mais imagine que le mec il est un peu timide et il est pas très bavard, tu fais comment? Bah déjà je suis pas intéressée. Mais imagine il est archi beau gosse et timide. Imagine c'est Brad Pitt. Non mais. Et Chris Brown timide. Ça, c'est l'apparence, c'est pas tout. Ah ok, c'est bien. Très belle phrase hein. Ok. Idéal. Ouais. Comment tu voudrais que ça se passe De manière inattendue en fait. De manière inattendue? Ouais. D'accord. Et donc qu'est-ce que tu voudrais que l'homme fasse? Qui t'invite? Prennent des initiatives, ouais, directement. D'accord. Et donc, par exemple, qui t'amène où? Au restaurant? Mais... Non, pas forcément, c'est trop cliché. D'accord. Un endroit que je connais pas forcément ou peu fréquent. Découvrir quelque chose. Ouais, voilà. Ok. Pour moi, le rencard idéal, ce serait déjà une belle journée, genre. Une belle journée ensoleillée. Ah ouais. Une petite balade au parc avec un pique-nique, façon. Je sais, on dirait pas, mais moi, je suis plutôt comme ça. Ouais, j'aime les pique-niques. Ouais, j'aime les pique-niques. Pique-niques, ouais, bien. Et ensuite, après, c'est quoi le reste ensuite? Et après, genre, il me raccompagne chez moi, tu vois. Après, un petit bisou sur le front. Et attends, est-ce que le mec, il monte chez toi ou... Ben non, il monte pas chez moi. Il me laisse devant chez ma mère. Il t'accompagne, il monte pas. On a dit rencard idéal. Ah, ok, bon, ok, bon, ok. Je te remercie en tout cas, un bisou sur le front. Ok. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez aimé, il y a un pouce bleu, commentaire et dites les filles en commentaire ce qu'est votre rencard idéal. Et important, allez vous abonner à Antoise et à Les Deux Crazy aussi. Voilà, très important. Merci beaucoup. Ciao.